Il est déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince Haïti. Bonjour Haïti. Bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, jeudi 14 juin 2018, là, pour nous capables présenter toutes les informations qui dominent l'actualité, tant par ici que à travers le monde entier. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité, trois ambassadeurs tout neufs remettent la lettre qui va au droit pour fonction officiellement par ici à Yémen. Mercredi 13 juin, par le président République, Jovenel Moïse, pendant une cérémonie qui déroulait dans le palais national. Trois ambassadeurs, c'est l'ambassadeur pays Mexique, Vietnam et l'ambassadeur pays Australie. Examen officiel la 9e année fondamentale, bout à mercredi 13 juin dans tout le pays. Mathématiques et espagnol, c'est dans matière sa yo, candidat sa yo te composé pendant dernier jour épreuve yo, n'a pas gagné pour nous capable présenter yon papier spécial sous Jean Aurel jeudi li même qui yon grand monde qui a participé dans l'examen si la yo. Et puis, organisation non gouvernementale Oxfam en Grande-Bretagne pas autorisée pour continuer à fonctionner sous territoire haïtien d'après une décision gouvernement haïtien prend. Et puis, c'est jeudi à la 21e édition Coupe du Monde là, li aplouvri dans le pays la Russie, 32 pays pralgué pour capable bataille pour qui est ça, cap remporter trophée cela année ça après pays Allemagne été prendre dans dernière édition. C'est pour ça que nous avons besoin pour nous être capables de développer pour nous dans le journal aujourd'hui. Nous ne pouvons pas déplacer dans le tournée. Merci pour la fidélité et attention. Nous retournons pour le développement de l'information. Et nous te disons dans le grand titre, trois ambassadeurs tout neufs remettent la lettre qui a le droit pour être capable de prendre fonction officiellement en Haïti à mercredi 13 juin. Pendant une cérémonie qui déroulait dans le palais national, ils remettent la lettre au président de la République, Jovenel Moïse. C'est ambassadeur pays Mexique, pays Vietnam et puis ambassadeur pays Australie. Dans ce palais, le diplomate a été gagné avec le président de la République. La discussion était surtout chita sur la coopération dans différents domaines, en tant qu'énergie, agriculture, investissement et puis éducation. En nous suivant extrait dans la déclaration diplomatique, l'un après l'autre, dans le Sabine Jean-Étienne avec Janaël Duvernay. Nous avons parlé précisément de la coopération entre nos deux pays, qui est toujours, nous voudrions la renforcer dans tous les domaines, académiques, culturels, d'éducation, économique. Le dialogue politique se trouve à un vrai haut niveau. Nous sommes très, très contents, nous partons d'une base très importante pour continuer à développer les relations avec votre pays. And a strong partner, Vietnam, as a strong responsible partner in the international community for peace, stability and cooperation. Je suis l'ambassadeur du Vietnam en Haïti et je suis ici pour rencontrer le président de la République, mais également pour promouvoir les bonnes relations qui existent déjà entre mon pays et Haïti. Nous avons discuté également de grandes opportunités de continuer cette coopération dans de nombreux domaines, comme particulièrement la production de riz. Et également, nous espérons pouvoir étendre cette coopération fructueuse à d'autres secteurs. And that sort of information, it's good for the world to know, I think. Vous avez un président qui a très clairement exprimé la vision très forte qu'il a dans le sens de la promotion et du développement de son pays. Nous avons discuté des champs de collaboration qui existent entre Haïti et l'Australie, mais il a fortement exprimé son intérêt à voir le pays doté d'une capacité d'attirer les investissements directs étrangers. Nous avons plus particulièrement parlé d'un secteur qui est d'intérêt national pour Haïti, c'est la production énergétique. Et nous-mêmes, en Australie, c'est un secteur qui est déjà à la pointe et qui a lui-même
commencer à investir dans la région. Nous parlons surtout de la production d'énergie électrique et des ressources minières. Organisation non gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne pas autorisée pour continuer à fonctionner sur le territoire haïtien. Violation constitution et loi pénale haïtien, c'est raison qui pote gouvernement prend décision ça après 2 mois l'État te fait retirer reconnaissance li by ONG cela dans communiqué qui te pote date 22 février passé. Dans la conférence Libye la presse hier mercredi 13 juin, ministre planification à coopération externe met à viol flagrant présenté un communiqué tête ensemble qui porte signati ministre intérieur à collectivité territoriale ministre affaires étrangères à Kitla qui retire définitivement autorisation fonctionnement ONG Oxfam Grande-Bretagne dans pays d'Haïti. Dans l'occasion, le ministre Aviol Florent dit que le gouvernement prend le travail pour capable réformer et puis régulariser l'aide publique dans le pays. Il y a une façon pour les services toucher la population haïtienne. En nous souvient extrait la déclaration de la micro Falanda Delphin. Nous disons merci pour fidélité et attention. Pendant que nous excusez-nous pour les problèmes techniques tout à l'heure, nous retournons avec l'information. Et je vous dis avant le problème, l'organisation non gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne n'est pas autorisée pour continuer à fonctionner sur le territoire haïtien. Violation constitution et loi pénale haïtien, c'est raison qui porte le gouvernement prend décision cela. Après 2 mois, l'État a fait retirer reconnaissance l'ITBAYA ONG dans un communiqué qui était sorti dans la date 22 février passé. Dans la conférence Libaya la presse, hier mercredi 13 juin, ministre planification à coopération externe à Viola Florent présenté un communiqué tête ensemble qui portait signature et puis signature ministre intégré à collectivité territoriale, ministre affaires étrangères à Kitla qui retire définitivement autorisation fonctionnement ONG Oxfam Grande-Bretagne dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion, si la maître Aviola Florent dit gouvernement prend le travail pour capable reformer et puis régulariser l'aide publique dans le pays, une façon pour capable servir la population plus bien. En nous suivant extrait dans le micro, Falanda Delphin et Rémi Goudji. Du décret du 14 septembre 1989, régissant le fonctionnement des ONG, les ministères de la planification et de la coopération externe, de l'intérieur et des collectivités territoriales, des affaires étrangères et des cultes, agissant au nom de l'État haïtien, procèdent au retrait définitif de la reconnaissance du statut d'organisation non gouvernementale ONG d'aide au développement octroyé à l'organisation dénommée Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam GB, enregistré aux archives du MPCE, DCAONG, SR, au numéro B0253, pour violation de la législation haïtienne et pour atteinte grave au principe de l'éminente dignité de la personne humaine. En conséquence, et suivant les dispositions de l'article 31 du décret précité, le retrait de la reconnaissance entraîne la dissolution de cette ONG fautive et la liquidation de son patrimoine conformément aux lois et règlements régissant la matière. On vous a donné reconnaissance avec un communiqué conjoint. Ça s'appelle communiqué conjoint. 3 ministres. Eh bien, 3 ministres doivent signer pour vous, pour faire le retrait. Donc, c'est pourquoi la présence de ces 3 ministres, lui qui représente le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui parce qu'il présente des lettres de créance avec le président de la République dans le moment où on a parlé là, c'est juste pour vous démontrer que c'est le principe du balise des formes. Mais 3e aspect qui belle la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide externe en Haïti.
N'apprends un exemple, le président de la République l'a dit. Sur les 10 dernières années, 10 milliards de dollars américains ont été dépensés en Haïti par les partenaires techniques et financiers, y compris des ONG. Mais regardez, qui sont ouais. Vous allez sur le terrain, aucun impact. Ça veut dire quoi? L'aide publique au développement est fragmentée. L'aide publique au développement n'est pas alignée sur les priorités de l'administration politique. Dans le temps, avec les administrations politiques passées, on se contentait de recevoir l'aide et de la recevoir là où l'international entend le donner. Il va y avoir un conseil des ministres, et déjà en conseil des ministres, un avant-projet de loi va être traité, va être discuté autour du nouveau cadre de coopération et de gouvernance de l'aide externe. Ce sera acheminé au Parlement. Cela deviendra une loi pour réguler l'aide publique au développement. Nous avons décidé et nous privilégions l'appui budgétaire direct, premièrement. Appui budgétaire sectoriel, mais qui n'a pas aligné sur les priorités. Et dans le cadre d'une assistance technique, où on est obligé de faire transfert de compétences sur le local. Et dans le cadre de prêts en matière de dette extérieure, c'est sur fonds concessionnels. Green Energy Solutions, c'est compagnie qui a remporté appel d'offres pour réparer centrale électrique dans les Anglais. Centrale ça a subi dommage pendant le cyclone Matthew. Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph a présenté nos reportages. Centrale ça qui a gain capacité pour le bail plus passer 400 familles courant pour renforcer moyens pour fournir énergie avec réparation qu'a fait yo. Ça va permettre plus de familles bénéficier courant la caillou. Ces panneaux soleil polycristallin et monocristallin qui gagnent une capacité 260 à 295 watts y a installé d'après ingénieur Jean-Audnis Dumé qui est responsable de travail réparation yo. Travail là il résume en quelque sorte côté que tu gagne pile panneau qui t'est chiré. Nous allons voir ça bientôt et nous gagnons des côté que qui était couchu tout ça donc nous réparer tout tel que tu gagne en toiture qui était chargé par nos suyo nous prend yo nous mettait des structures qui vraiment renforcées par rapport avec structure qui était gagné antérieur jodi à la nous utiliser des panneaux polycristallins ainsi que des panneaux monocristallins, mais ce sont des panneaux allemands de très bonne qualité, qui très efficients. Nous utilisons des panneaux 295 watts, nous utilisons des panneaux 260 watts. Centrale électrique ça dispose de trois façons pour baïmonio courant, qui c'est panneaux soleil, batterie et Delco. D'après directrice communautaire compagnie Wendy Sanasi, lui expliquer ses comptes prépayés, yo bail client yo pour faciliter yo acheter pour quantité comme yo capable. Mode utilisation ça fait clientèle là pas gagner dette ni recevoir facture chaque fin mois. Ce qui est intéressant avec réseau ici, c'est que donc réseau des Anglais li un réseau qui bien flexible. C'est-à-dire que li ka adapté avec différents besoins, différents mondes. Par exemple, si un monde n'a pas en pile moyen, il pas en pile demande courant, nous gagne un service spécial pour lui. Donc par exemple, il y a un monde qui utilisait juste un poule à charger téléphone, il y a un service qui relaie lumière. Donc lumière, il y a un éclairage, il y a un maximum 30 watts courant. Et puis ça, nous gagne plusieurs niveaux, jusqu'à un monde qui a utilisé freezer, qui a utilisé télévision, ventilateur. Donc chaque monde, il y a un client pour ce système-là, il a fait un choix qui niveau il a venu. Donc il dépend moins d'un monde là, et puis aussi d'après ça qu'il a besoin. Moun les Anglais saluent et j'ai fait qu'à fête là pour faciliter yo rejoindre courant la caillou. D'après yo, courant permet de mener ses activités économiques yo et puis baïzon nan yon l'autre visage. Nous sommes bien contents de venir réparer le système là pour bon nous courant, nous très apprécié ça. Sans courant, pas de développement. Du tout. Donc c'est ça qui fait que dans tout pays qui a développé, courant sont force vitale que lui. Nous bien remettre le système là, parce que le système là bien marché pour nous. Et depuis après le cyclone là, nous n'avons pas de grand courant. Mais quand nous avons là, c'est que nous renouveler. Nous avons un courant 24 sur 24, nous là très bien.
Responsable compagnie Green Energy Solutions en fait qu'on est, yon service yon offre clientèle là selon niveau économique yon. Côté moun qui pague trop appareil électronique bénéficie yon service qui relaye énergie plop plop. Madame Sanasi explique tout, client yon pas perdre du kob yon dans le système prépayé. Li fait qu'on est, yon client qui pral bénéficier courant sur le kob yon te gagné dans le compagnie depuis avant cyclone Mathieu. C'est garanti ça, clientèle la gagné dans le compagnie. Toujours la question énergie, président République la Jovenel Moïse recevoir lundi 11 juin passé à la Palais National une délégation technicien taïwanais qui implique notre travail en mise en place réseau national électrique là. Groupe 21 techniciens sa yo gen compétences dans divers aspects qui gen rapport à question énergie. C'est compagnie Tai Power qui sélectionné connaissait sa yo suite à plusieurs chita parler avec autorité haïtienne yo te fait avec entreprise taïwanaise là dans pays Taiwan dans finissement mois de mai passé. Délégation taïwanaise la promet chef l'État yo pral travail pressé pour capable créer 600 km câble dans un délai qui pas trop long. Et puis nous te disons dans grand titre question examen 9e année fondamentale 9 qui bota hier mercredi 13 juin sur tout territoire national la mathématique et espagnol c'est dans matière ça yo candidat été composé pour dernier jour épreuve là. Télévision nationale d'Haïti a présenté nous Jean Aurel jeudi un personnage qui gagne plus passé 70 années sous tête li qui était composé dans 9e année fondamentale yo. Participation dans épreuve sa yo faite d'après lui pour capable concrétiser rêve li pour finir ak étude classique li. Esaïe Aurelius ak Wilson Idoré a présenté nos reportage. Jean Aurel jeudi, fête 4 avril 1942 dans commune Boukankari, département Centre. Tant pour en pile monde dans génération lan ak zone li prend naissance lan, Jean Aurel commencé à l'école très tard. Yon retard d'après lui qui vini à cause parents pas de moyens pour payer études li nan époque là et puis pas intéressé ak voye ti moun l'école. Ak 76 l'année, Jean Aurel jeudi, c'est sans doute candidat qui pi âgé dans examen 9e année yo. D'après lui, c'est route concrétisation rêve lui pour faire toute classe lui qui était campé l'elle était dans élémentaire 1. Il dit mais papa, qu'est-ce qui a passé? Sous ta médium l'école ça t'a bien. Et puis il pas négligé sur ça. Moi même mingo ti maman poule qui bam 5 petits. Pendant ti pour lui grandir, tu gain petit coq là dedans et puis gon monsieur qui les bonheur charité qui a passé un petit coq noir en bas de celle lui. Mais papa me gon zamin il était pas Félix Christian. Et puis pendant passé comme ça il dit si tu jeune au monde et tu as un petit coq comme ça. Il dit papa et bien ils sont fait près de l'entrée où tu as fait ton petit coq là. Pendant papa bien mais fait l'entrée papa me dégonne petit carré de pièces et puis moi il y est entré dans petit carré de pièces là. Pendant nous la petit coq a boumé tu coq moi un bec coq bonne charité a pomme il passe dans pion tombé dehors et gagné papa Moïse pas fait ce qui était là dit si coq ça t'a vendu m'a acheté me demain papa dit bon un petit cochon pour lui. Même côté là, papa me dit, bien, pas de problème. Et puis monsieur a dit, mais bon, moi non, je vais aller avec. Et bien, papa me dit, petit coq là. Dans 8 jours, il menait un jeune cochon bon. Sur 8 jours encore, le cochon a préparé, il y a 5 petites même gens. Et bien, c'est la 5, tu as un cochon ça. Je me dis, papa, à côté de monsieur, à côté de moi, et toi, petit monsieur, tu as pris les soins. Offrir le droit un petit cochon pour moi, un petit cochon pour frère, parce que 4 petites, papa me dit, 2 garçons d'ici. S'il est ça, papa m'a écouté, il dit bon, ou bon, des petits barraques. Je me dis, papa, pas de problème, balle des petits barraques là. Mais papa m'a lâché un petit lit, il a bien vraiment, il mettait une l'école. Jean Aurel, je dis, 16 ans, tout élève dans l'école li. Passion pour avancer à l'étude li, sauti dans la ville pour servir le pays ya, et puis suivre tout le monde li yo, qui déjà avancé à l'étude. Li encourage tout jeune, prendre l'étude au sérieux. Si mon homme fait mal à l'aise ensemble avec eux, parce que les mines classe, on dit, mais papa, qui vient jouer nous, on vient jouer nous pour nous grandir ensemble, pour nous monter ensemble, faire un petit monde petit, parce que du coup, il y a nous, bouche moi, qu'on y a, on va mettre dedans. Donc, pour faire d'homme, fait que c'est vrai. Si, par exemple, ça peut mettre, bon, disposé pour m'étudier, et sans de l'éducation. Et, concernant les barrières, pendant que j'ai mis certificat ici, et bien, quand j'ai quitté, ouais, ça me parle avec eux, on me dit, nous, même si nous, à l'âge que j'ai là, on continue l'école, pour nous capables de payer, pour nous vivre bien là, car nous, c'est éducation. Et bien, quand qui est à l'école. Il a été campé dans la 6e et il a continué. Papa Six Timoun, Jean Aurel Jeudi, fait office vétérinaire et pharmacien dans la communauté là. Il était membre de l'Assemblée section communale
et puis souhaiter étudier sans éducation après études classiques. Et c'est là, je n'ai la rêvée dans Boutli avant nous aller permettre nous rappeler au grand point qui domine l'actualité. Trois nouveaux ambassadeurs remettent à l'aide qui baillent au droit pour fonction officiellement pas bon ici, à mercredi 13 juin, par le président de la République, là, Jovenel Moïse, pendant une cérémonie qui déroulait dans le palais national. C'est ambassadeur pays Mexique, Vietnam et puis Australie. Examen officiel la 9e année fondamentale au bout à mercredi 13 juin sur tout territoire national. Mathématiques et espagnol, c'est une matière sa yo candidat composé pour dernier jour épreuve. Nous te souvions un reportage spécial sur Jean Aurel jeudi qui a plus passé 70 l'année, lui-même qui a participé à l'examen sa yo. Organisation non gouvernementale Oxfam en Grande-Bretagne n'est pas autorisée pour capable continuer à fonctionner sur territoire haïtien d'après une décision gouvernement haïtien. Et puis dans l'actualité internationale là, et bien 21 c'est jeudi à la 21e édition Coupe du monde de football là, li a démarré dans pays la Russie. Et bien premier match là, li a metté bab pour bab la Russie avec Arabie Saoudite à partir de 11h matin, mais cérémonie officielle a commencé déjà vers 10h dans matin. Toute équipe sportive télévision nationale d'Haïti a déjà mobilisé pour capable faire nous vivre toute rencontre ça avec 32 équipes sayo qui gagnent pour yal gomen pour qui est cap remporter trophée. Mais avant d'aller permettre que nous disions bonne fête à toutes amis nous qui a travaillé dans Radio Caraïbe FM qui a fêté jeudi 14 juin là, et ben c'est fête Radio Caraïbe, ben nous féliciter, nous dit un bon anniversaire à toutes amies médias là qui a fait un travail au niveau du pays et à travers le monde là. Merci à tout le monde qui t'a suivi édition nouvelle ça. Nous vraiment t'es content ensemble avec vous pour être capable de présenter lui. Nous sommes seulement pour être capable de souhaiter au passer un très bon jeudi sur la télévision nationale d'Haïti.